La détresse est terrible, nous venons de l'écouter autour de table que le préfet vient de faire. C'est une véritable détresse, 20% des entreprises de notre territoire sont complètement exsangues, exsangues en trésorerie, aucun chiffre d'affaires, des dettes énormes, donc il n'est plus possible de continuer comme ça. Donc nous devons changer la façon de faire et j'ai demandé aujourd'hui au préfet d'acter que le monde syndical patronal allait se battre sur des choses qui sont toutes simples mais qui vont être très, très factuelles. Nous ne rembourserons pas les dettes, les prêts qui nous ont été faits par l'État, c'est-à-dire je pense évidemment à ce PGE pour les secteurs S1 et S1 bis, car il est tout simplement impossible de rembourser une dette alors qu'on n'a pas de chiffre d'affaires et qu'on nous a prêté 25% de ce chiffre d'affaires de l'année 2019 qui était une bonne année. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit le président de la République en mars, aucune entreprise ne restera sur le carreau. Donc nous ne voulons pas que les entreprises de notre territoire, qui représentent 13% du produit intérieur brut, de la richesse de ce territoire, il est impossible de pouvoir rembourser ça. Donc je vais demander à tous mes adhérents issus de ce secteur S1 et S1 bis de ne pas rembourser le PGE à leur banque. Et c'est aux banques de trouver une solution avec l'État pour leur remboursement.